Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui dans la classe, je vais lire aux enfants qui sont présents, donc à Victoire, à Chloé-Louise, à Saja, à Amine, à Sofiane et à Némania, on va lire l'histoire « Je mangerai bien un enfant ». Monsieur Crocodile. Qu'est-ce qu'on voit là? Des bananes, je dis. Des bananes. Il n'est pas gentil, le crocodile. Ah ben, je ne sais pas, on va voir. Pour Suzanne, Zacharie et Gabriel, Sylviane Donio, je mangerai bien un enfant. Illustration de Dorothée de Monfray. Mais alors, on ouvre grand nos oreilles, on garde dans nos têtes nos questions et on ferme nos bouches. Chaque matin, Madame Crocodile apporte à Achille de bonnes bananes. De bonnes bananes pour son petit déjeuner. Et chaque matin, elle s'émerveille. Mon fils, mais comme tu es grand, comme tu es beau et comme tu as de belles dents. C'est vrai, pense Achille. Elle mange quoi les crocodiles? Ben attends, ami. Ils mangent des bananes. C'est ses parents. C'est sa maman qui lui donne son petit déjeuner avec et des son bananes papa. Et son papa. Mais un matin, Achille ne mange rien. Maman crocodile s'inquiète et elle insiste. « Mais tu es bien sûr? Tu ne veux pas même une bonne, une délicieuse banane ?»« Non merci maman, » répond Achille. « Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. » « Mais quelle idée mon Achille !» s'étonne maman. « Dans les bananiers, ils poussent des bananes, pas des enfants. »« Oui, mais moi, j'aimerais mieux manger un enfant. Et à quoi dit le petit bébé crocodile? Il veut manger un enfant. Un enfant? Il ne veut plus manger de bananes. Il veut plus manger de bananes? Non, il veut manger. Comme moi? Il veut manger un enfant. Papa crocodile s'en mêle. Il court jusqu'au village et rapporte à son fiston une saucisse grosse comme un camion. Non merci, répond Achille. Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Mais enfin, mon Achille, la saucisse à l'enfant, ça n'existe pas. Je m'en fiche, s'énerve Achille. Moi, j'aimerais mieux manger un enfant. Achille, il a croque. Il est là, Achille. Il veut pas de saucisse. Il veut manger un enfant. Pourquoi il est en colère sur mon papa alors? Ah, parce que son papa, il aimerait bien qu'il mange des bananes et des saucisses. Et un enfant. Heureusement, papa et maman crocodile sont malins. Notre Achille est un gourmand, pense-t-il, préparant lui un bon gros gâteau au chocolat. Et il oubliera complètement cette idée stupide. Le gâteau est magnifique. Waouh ! S'exclame Achille. Puis il soupire et se ravise. Non vraiment, dit-il. Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Un enfant. Avant, il était dans la brouille. Achille, il était dans le four ou il était dans la brouille? Non, il est dedans. Ah non, Achille, il n'a pas envie de manger de gâteau au chocolat. Papa et maman crocodile sont totalement désespérés. Il pleure et se lamente. Oh, notre cher Achille ne veut plus se nourrir. Achille se sent bizarre, tout faible.
tout raplapla. C'est ce qui arrive quand on n'a rien mangé. Un bon bain me fera du bien, pense-t-il. Et il descend à la rivière. Il y a des bouillons. Ils sont en train de pleurer. Les deux. Ben oui, parce que leur enfant, il ne veut plus manger. Alors, il s'inquiète. Sur la rive, il y a une imprudente petite fille. Ah, chouette! Je vais enfin pouvoir manger un enfant, dit Achille. Il se tapit dans l'herbe. Toutes les dents dehors, telle une bête féroce, prête à bondir. Regarde bien. Je le vois. Je le vois, elle est là. Moi aussi, je vois. Je suis bête. Oh, regardez-moi ça, s'exclame la fillette. Un tout petit crocodile, mais comme il est mignon. Oh là là, il n'a pas dû manger beaucoup pour être si maigrichon. Mais là, il n'a pas le droit pour manger le fille. Il est petit. Quand même, je vais manger ses pieds. Il est trop petit. Il y a un bateau. Elle l'attrape par la queue, lui chatouille le ventre en disant gili, 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 gili. Puis quand elle en a assez, elle le jette dans la rivière. Plouf. Il n'est pas en vie. Il va se mourir. Ben non, il retourne dans l'eau. Ça aime bien l'eau, les crocodiles. Mais il n'adore pas un petit peu l'eau. Il adore. Il déteste l'eau. On préfère de l'eau bleue. Pas de l'eau violet. Zut, raté, pense Achille. Et comme il a vraiment très très faim maintenant, il court chez lui en disant « Papa, maman, des bananes, vite! Il faut que je devienne grand !» Pourquoi il veut devenir grand? Parce qu'il a envie de manger de garçons et des filles. Je vais manger un enfant. Mais il n'a pas envie. Est-ce qu'il a réussi à manger un enfant là? Non. Et pourquoi il n'a pas réussi à manger un enfant? Parce que la fée de Guilée l'a jeté dans l'eau. Bah oui, mais pourquoi l'enfant elle a réussi à faire ça? Parce qu'il n'était pas gentil, on voulait le manger. Mais non. Il faut que je devienne grand pour manger des bananes. Un enfant. Un enfant. Et ben oui. Là, il était grand ou il était petit, Achille, par il rapport... Il était petit. Eh oui, il était tout petit. Donc, est-ce qu'il a réussi à manger l'enfant? Non. Et s'il devient grand, est-ce qu'il va réussir à manger l'enfant? Oui. Mais il y a l'un qui va manger l'enfant. Et voilà. Mon histoire est terminée. À très bientôt.